Robert dans le gazon. Après la tente. Il fait tout ce qu'il peut pour ne pas mettre le pied, mais c'est raté. On n'a encore pas des cours aujourd'hui. Hein. Alors, les petits loups, vos impressions? C'est beau aussi, hein, dis donc. Il n'y a pas de mots. Alors, puisqu'il y a la falaise, on va prendre la falaise. Oh, la falaise! Ah, d'accord. Cabane du Pasquier. Ouais, mais on va l'éviter par altitude la droite. Altitude 2112. On a regardé d'en haut, ils y sont pas de ce côté. Ouais, c'est vrai. On était à 2000 froid tout à l'heure. Non, on vient de puissant l'air par que congère par. Lorjas. Lorjas. Ouais. Chouette coin, hein. Il y a deux retours. Après la cabane du Pasquier. Petite descente là et on remonte en poussant vers Cabane Vieille et le Couradour. C'est ça. C'est tout à fait ça. Et on va faire le pied du Couradour pour sortir au Fontanil. C'est-à-dire le Ravin de Guillaume. Qu'on va zapper aussi, point de vue photo vidéo, puisque ça existe déjà. Le Ravin de Guillaume. Alors après avoir traversé la prairie de Cabane Vieille, montée-descente. Ici la descente, ça monte en pédalant, hein. Un peu chiant l'herbe, mais ça monte. Descente sur le dessous du Couradour. On va longer la crête du Couradour, mais en dessous. Le Couradour, c'est ça. Et notre chemin part de là, pour filer tout au fond, là-bas, et descendre sur le pré de Thorame. Que vous verrez ou avez vu déjà en sortie, en vidéo. Robert, tout là-bas, en train de nous rejoindre pour être au pied du Couradour. Petit zoom pour voir. Très agréable de rouler dans ces champs. Ouais, c'est sympa. La montée est hard. Ouais. Pour descendre, mais... On a mérité. Voilà, elle va nous rejoindre, tranquille. Peut-être qu'il va nous faire un petit saut. Ah voilà, elle était sûre. Mais vraiment un petit, hein. À toi, Marc. Allez, c'est parti. J'y vais aussi. Alors, un passage en sous-bois magnifique, comme vous allez le constater. Ça avance vraiment et il n'y a rien qui gêne. Il y a une piste de descente. Et on va voir Marc arriver de dos. Et vraiment sympa. Et Jacques qui déboule. C'est pratique parce que on le reconnaît au frein. Voilà, comme j'ai dit. Bon, là, il y a un lacet à gauche et on tombe sur le pré de Thorame.